Aux États-Unis, la campagne est désormais dominée par un sujet, la santé des candidats. À 68 ans pour Clinton et 70 pour Trump, c'est un sujet sérieux devenu, depuis l'annonce de la pneumonie de Hillary Clinton, un argument de poids pour Donald Trump. Il a souvent accusé sa rivale de manquer d'énergie, contrairement à lui. La semaine dernière, j'ai passé un contrôle médical que je vais diffuser quand j'aurai les résultats. J'espère qu'ils seront bons. Je pense qu'ils seront bons. Je me sens super bien. Mais quand j'aurai les résultats des analyses, je vais publier des chiffres très très précis. Donald Trump a une autre faiblesse à exploiter, les paroles malheureuses de Hillary Clinton vendredi au sujet de la moitié des électeurs républicains qualifiés de pitoyables. Vous ne pouvez pas être candidat à la présidence si vous avez autant de mépris dans votre cœur pour l'électorat américain. Et elle en a. Vous ne pouvez pas diriger une nation si vous avez une aussi basse opinion de ses citoyens. Ces citoyens-là, c'est Trump qu'ils critiquent, devant le dernier hôtel de luxe ouvert par le milliardaire à Washington. Deux chefs cuisiniers en vue ont refusé d'y installer leur restaurant après les propos de Trump sur les immigrés mexicains.